Oh, ça raconte quoi? Que ça va se fight? Voilà! Ça parle à Apache. Ah ouais. Il est commandé, c'est bon, il est en route là. Je me le fais livrer. La prochaine match, le F-16 va recevoir son système arme aussi. Un type. Le HTS, je sais plus quoi là. Ouf, ah ouais, je... ça. Le HDMI. Hein. Le HDMI. Les HDMI, c'est pour un F-16, tiens, qu'est-ce que c'est? Bonsoir. Merde. Eh hey, bonsoir. Hey, hello. 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 Un radar corrigé, j'allais dire aussi. Jonky, je te switch 30 secondes. Ouais. Ça paraît stratégie. Oh, c'est pas le genre, non, je pense pas. Un autre type de stratégie surtout. Puis je vous dis, la strat c'est décoller avant vous et de vous strike au sol en fait. C'est le seul moyen qu'on ait de gagner. Bien. Ouais. N'oublie pas qu'avec Adis on peut tirer au sol. Hein. Bah, c'est roulage. Ça. Alors. Non, mais tu passes pas 200 du coup. Merde, j'ai appuyé sur mauvais bouton. Non, je parle au sol, au roulage. J'irai jamais à 200 nœuds au roulage. C'est bon, on a récupéré à peu près tout le monde. Du coup, on va parler un petit peu de la mission. Donc ce soir, contre-attaque des rouges. Donc du coup, l'idée, c'est d'aller strike en fait les petites phobes qu'il y a disséminées en fait sur l'axe en fait, de la warzone, l'axe médian. Donc pour ça, une force de cap REB, une sweep REB avec des F-16, des F-18 et du strike qui sera en Mirage 2000 et en A-10. Donc en fait, ils ont l'idée, c'est qu'ils en strike un maximum de points. Après, libre à eux d'organiser comme ils veulent leur push sur le strike. Du côté bleu, la mission ce soir, si on veut pirater un peu RP, c'est en fait de créer une aire interdiction en fait sur la partie en fait qu'on peut contrôler de la warzone. Donc nous, en fait, l'idée c'est vraiment de faire une cape standard et d'empêcher en fait toute intrusion des raids sur cette partie. Quand j'ai l'autre partie en fait de Warzone, toute celle qui est en dehors de la portée du Patriot. Donc voilà. Dire que c'est à partir d'ici quoi. Donc point de vue RP c'est ça. Donc les bleus font R interdiction sur cette zone-là. Les rouges sweep et push autant qu'ils peuvent sur les phobes. Pour la séquence de décollage, on va faire comme d'habitude, les A10 en premier, même si on a vu quand même que bah au final ça leur crée du holding, mais c'est pas grave, on va continuer à la jouer comme ça, suivi par les raids, un petit peu plus de trajet à faire. Et ce coup-ci, le fight zone sera donné quand tous les bleus seront dans la warzone et se seront déclarés opérationnels. À partir du moment où la cape bleue sera en place, les raids auront liberté de push. On fait comme la semaine dernière, le fight season sur la fréquence de guards. Ça me paraissait pas trop mal, non? Je pense que ça a bien marché, Marc, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, en fait, dès que j'aurai blue, un truc genre blue on station ou les bleus en position, je vous mettrai sur la garde fight season. C'est parfait. Où est-ce que vous voulez sur la garde me dire Red on station et attendre qu'il y ait le blue on station, qu'il y ait les deux on station pour éviter un petit peu le cafouillage de la semaine dernière. Attendre que les deux annoncent on station pour dire fight is on. Bah, de mon point de vue, en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir une cape bleue en place sur la warzone, quoi. Donc après, ce qui se passe du côté raid, voilà. Donc, s'ils arrivent avec un temps de retard ou pas, ça m'intéresse. Enfin, ça nous intéresse. Ça marche. Trop, en fait. Ok, donc Blue on Station, j'annonce Fight Season. Voilà, le Fight Season, pareil, les raids, vous êtes autorisés à holder en fait sur l'ouest de Tonopah. Donc pas nécessaire que vous restiez en dehors de la Warzone. Vous allez rentrer dans la Warzone, vous rentrez le Takam de Tonopah et vous holdez à l'ouest. C'est parti là. Petite question technique SRS, j'arrive pas à lancer le AM. Il y a eu un changement sur SRS. Je vais regarder. D'accord. Je regarde ça après le brief.
Voilà, sinon rien de mon côté, rien de plus à dire. On a les patrouilles qui sont là pour les retours de call sign de patrouille. Et puis ma foi, rien de plus. Il y a des questions? Ouais, de Hades. Ouais, salut Hades. Alors bonsoir à tous. Pour l'instant, il nous manque un avion. Ok, pas de soucis. J'ai pas de nouvelles, je sais pas où il est. Ouais. Comme je t'avais dit, en fait, sur 14, on partira sur 2 ou 3 14. Donc si, okay. S'il n'est pas là, vous partez à 2, quoi. Pas de soucis. Et puis voilà. D'autres questions? Non. C'est clair. Ouais, pour voir les coms, quoi. Pour confirmer les coms. C'est celles qui sont dans le briefing ou on fait des changements pour savoir. Les coms, c'est-à-dire les fréquences, tu veux dire? Ouais, les fréquences, ouais, pour le Nélis, qu'on soit tous sur la bonne. Après, comme la semaine dernière. C'est pareil. 317 décimes 10. Exactement. La Tactical Blue sera à 305. Tactical Red 308.4. Là, il y a une coquille, hein, évidemment. C'est le Strike à 10 sera aussi en 308.4. Voilà. Bon, après, si vraiment vous n'avez pas confiance en vos petits camarades, vous pouvez décider de changer de fréquence côté non, bouche. Je pense pas qu'on le fera. Donc, non, c'est bon. Donc voilà. Donc tout le monde au début sur la 327.10 pour gérer le décollage Nélis. Et puis voilà. Ça marche. Eh bien, bonne chasse, bon vol. Ouais, bon vol. Ouais. Yes. Je vais regarder pour cette histoire de SRS. Ouais, tu me dis, je passe dans le vocal ATC à Wax. Ouais, ça marche, très bien. Et bah bonne. Ça doit être bon la mage. Alors, je vais essayer. Ça m'a l'air pas mal du tout. Ouais, alors c'est marrant parce que du coup, tu sais, on restart en fait le serveur et SRS tous les jours. J'ai l'impression que ça le reset aussi en même temps que ça le restart. Ah d'accord, t'es obligé de le relancer en manuel du coup. Non, du coup en fait il est bien en route, mais par contre ça décoche les options EAM et Blue Password, Red Password, etc. Quoi, tu vois. Ah d'accord. Je suis obligé de refaire ça à chaque fois, donc c'est un peu relou, ouais. Mmh. Bah ouais, parce que ça va être source d'erreur, quoi, tu vois. Excuse-moi, tu peux nous redonner le mot de passe du serveur, s'il te plaît? 3615. Ouais, oui. J'hésitais avec 1664. Ah, c'est bon. 3615, ce coup-ci. Ok, je te remercie. Ok, ça marche. Bon, bah merci. Ouais. Allez, ouais, bon voilà. Bon vol.
Bonus, le rooster, bonjour. Rooster, Neissol, bonjour. Rooster, 2 Tomcat, parking pour la mise en route. Rooster, mise en route approuvée. Mise en route, rooster.
Rooster check. Rooster 2. Rooster 3. Écoute, ça va être sur fréquence pour un uniform check. Radio. Call to flight, Neis, bonjour, Lima Charlie. Neis Tower, bonjour, de Call to flight, formation de 3 à 10 pour une mission strike prévue sur papier, demande une approbation de mise en route. Call to flight, mise en route approuvée pour les 3 appareils. Nellis Tower, bonjour. T-Bolt Patrouille 2FA18, prêt au start-up. T-Bolt Nellis, bonjour. Mise en route approuvée.
Mise en route approuvée, tu vois le flag. Et indiquer nombre d'appareils. 2FA18 combat, mission cap. 2FA18, c'est bien pris. Donc il y a un absent. Hein. Malheureusement, là, on est en train d'essayer de résoudre la dernière chance dernière minute, mais pour l'instant, je table sur 2 appareils. C'est bien pris. 2 appareils. L'histoire de Colt Flight. Colt, parlez. 3 à 10, paré au roulage. Colt Flight, piste en service 03 gauche, 03 droite. On fera le point au seuil de piste. Je pense qu'on va plutôt partir sur les 03 droite. Nous avons un QNH 2992 avec un vent calme, couleur terrain bleu. Vous pouvez prendre le Foxtrot puis Alpha et vous rappellerez au seuil de piste de la... On va partir sur la 03 droite. Bien reçu, on rappelle au seuil de piste. Est-ce que c'est possible de prendre la 03 gauche, sachant qu'on fait un départ vers l'ouest? 03 gauche, approuvé. Bien reçu, on roule que la 03 gauche, on rappelle au point d'arrêt. Gusto, Naïs, bonjour. Bonjour, 3 appareils type Mirage 1000 prêt au roulage. La piste en service 03 Lima, pour l'instant vous avez 3 à 10 qui sont au roulage sur Foxtrot. Vous les avez en visuel ? Affirmatif visuel. Vous pourrez vous engager derrière eux et vous rappellerez au seuil de piste de la 03 gauche. On partira peut-être probablement sur la droite. Vous rappellerez au 03 gauche. C'est reçu. Gusto Winfrey sur fréquence. Ok, vous me recevez bien sur la 121-700. Négat, vous êtes sur la 327 décimale 10. Merci bien.
Bulldog Flight, Nélis. Bulldog Flight, Nélis, bonjour. Bonjour, demande de mise en route pour 6 et 16. Pour 6 appareils, mise en route approuvée. Assuré. Nous sommes Rooster Proton Cap au roulage. Rooster Nélis, pour l'instant vous maintenez, nous avons les raids qui sont en train de se mettre en place pour les départs. On maintient Rooster. On est Colt. Colt, go. On est actuellement au point d'arrêt alpha de la piste 03 Lima. Colt, autorisé, décollage piste 03 Lima, vent calme, vous rappellerez dès que kilo. Merci, reçu. Et indiquer type de départ. Départ en trail simultané 3 appareils. Départ en trail, c'est bien pris. Rooster Nélis. Rooster. Est-ce que vous avez en visuel les trois appareils type Mirage 2000 qui sont au roulage? Affirme, Rooster. Vous pouvez vous engager derrière eux. La piste en service sera la 03. Au seuil de piste de la 03 gauche, vous rappellerez au point d'attente. Derrière le Mirage 2000, on rappelle au seuil 03 gauche, Rooster. Et Dolbo Flight à Tours, entrée sur fréquence, bonjour. Elbow Flight, bonjour. Dolbo Flight, un groupe de 2 F-15J actuellement au parking, prêt à démarrer pour. Prêt au démarrage pour mission CAP dans la Warzone. Elbo, c'est bien pris, 2 appareils mis en route approuvés. Gusto, je vous propose un départ 03 droite, autorisé à traverser la 03 gauche. Vous rappellerez dès que vous serez en alignement 03 Roméo. Je rappelle au 03 Roméo. La tour, Bulldog Flight. Bulldog Flight, go. Ready to taxi. Bulldog, piste en service 03 gauche, vous prenez Foxtrot, vous rappellerez au seuil de piste de la 03 Lima. Vous serez derrière des Tomcat, 3 Tomcat. Et c'est suivi pour Bulldog. Et la tour, bonsoir, les parties. Parti, Neis, bonsoir. 2 F-18, on a mis en route, on est prêt à rouler. Parti, vous avez les F-16 en visuel au roulage? Affirme. Dès que les 6 seront sur le taxiway, vous pourrez vous engager derrière eux pour roulage. Vous rappellerez au seuil de piste de la 03 Lima. Ouais, je suis derrière les 6 F-16, on roule pour la 03 gauche. Parti. Et Colt de Nélis, on est kilo. Gauche sur la ligne piste 03 Roméo. Colt, on est kilo. Colt, c'est bien pris, vous pouvez basculer fréquence tactique. Bon vol. Bien reçu, merci beaucoup, à tout à l'heure. Et Gusto, autorisé, décollage piste 03, Roméo, vent calme, vous rappellerez dès que kilo. Suivi de Gusto. Rooster, Nélis. Rooster. Autorisé alignement et décollage piste 03 Lima, je répète 03 gauche, vous êtes autorisé à décoller, vous aurez un vent calme, vous expédierez le décollage et vous rappellerez dès que kilo. Bon, salut, on décolle 03 gauche, on rappelle kilo les roosters. Et Nélis pour Shiva Flight. Shiva Flight, Nélis. Shiva Flight, patrouille de Sukhoi 30, demande autorisation de mise en route. Shiva, 2 appareils mise en route approuvés. La mise en route. Et de Elbow Flight, ready for departure.
Elbow Flight, c'est bien pris pour... Est-ce que vous avez en visuel les appareils au roulage qui sont sur le taxiway Foxtrot? Vous devriez avoir des F-16 et des F-18. Affirmatif, F-16 et F-18. Voilà. Gusto, kilo. Gusto, vous pouvez passer fréquence tactique, bon vol. Et Elbow, vous pouvez vous engager derrière les F-18 et vous rappellerez au seuil de piste de la 03 Lima. De Elbow, bien pris. Annelies, Bulldog Fight. Bulldog, go. Nous sommes au point d'entrée alpha de la 03 Lima. C'est bien pris. Pour l'instant, vous allez maintenir. Nous avons 3 F-14 qui sont prêts au décollage. Je reviens vers vous pour rejoindre la 03 Romeo. Pour l'instant, vous maintenez. Oui. Bon, Nelly Tower, Shiva Flight, Paris en roulage. Shiva, vous avez les F-15 en roulage sur le Foxtrot? Affirmatif. Vous pouvez vous engager derrière les deux F-15 et vous rappellerez au seuil de piste 03 Lima. C'est bien pris. Bulldog Flight, Nice. Bulldog go. Autorisé de traverser 03 Lima, vous alignez 03 Romeo et autorisé décollage 03 Romeo. Vous rappellerez dès que kilo. Suivi pour Bulldog. Allez, seul T-Bolt Flight. T-Bolt Flight, Nélis. Nélis est parti, on est prêt à s'aligner 03 à gauche et on décollera derrière les F-16. Pour partie, vous pouvez vous aligner piste 03 gauche. Les F-16 vont décoller 03 droite. Donc pour partie, autorisé décollage 03 Lima. C'est parti. Oh, mauvaise fréquence, désolé. Partie, autorisé décollage piste 03 Lima. 03 gauche, vous rappellerez dès que kilo. On s'aligne, on décolle 03 gauche derrière les F-16 et on rappellera kilo, partie. Nilsson et T-Bolt Flight, correction 3 FA-18 prêt au roulage. T-Bolt, pour l'instant, vous maintenez. Break. Shiva, Neis. Shiva, j'écoute. J'ai un de vos appareils qui semble avoir un souci. Confirmé ? Affirmatif, il aura un petit peu de retard, du coup je vais me mettre au point d'attente. Et c'est bien pris, je vais faire passer un flight devant vous dans ce cas. Elbow Flight, Nélis, arrivé point d'arrêt de la 03 Lima. Elbow, vous maintenez pour l'instant. Nélis, Rooster, filé. Rooster, vous pouvez passer fréquence tactique, bon vol. On passe tactique, merci Nélis. T-Bolt, Nélis. Et T-Bolt, go. Est-ce que vous avez en visuel deux Sukhoi 33 sur la Foxtrot? Il y en a un qui passe à côté de vous et un qui est déjà bien en avant. Affirmatif, T-Bolt. Vous pourrez vous engager derrière Shiva et ils devraient vous laisser passer, ils vont se stacker sur le parking au seuil de piste. Donc T-Bolt, vous passerez devant les deux Sukhoi 33 et vous rappellerez au seuil de piste 03 Lima. Et en route T-Bolt, on rappelle au seuil de piste 03 Lima. Bulldog, vous pouvez passer fréquence tactique. Bon vol. Merci, à tout à l'heure. Allez, party flight airborne. Et party flight kilo. Party flight, vous pouvez passer fréquence tactique. Bon vol.
Merci, à tout à l'heure. Elbow Flight, Neis. Elbow Flight, j'écoute. Autorisé traverser piste 03 Lima, vous vous alignez 03 Romeo, autorisé à décoller dans la foulée sur 03 Romeo. Vous rappellerez dès que kilo. 03 Romeo, bien pris, on rappelle une fois kilo. Shiva, Neis. Shiva, j'écoute. Situation sur votre flight. Flight paré au décollage, on est sur le point d'attente. C'est bien pris, donc vous laissez passer les F-18 et vous rappellerez dès que vous serez prêt pour le départ. Rooster, bonjour. C'est bien pris, on laisse passer les 18. Rooster, Overlord, bonjour. Overlord, Rooster, check-in, Asphalt. Et T-Ball Flight, Rooster, c'est bien pris. 03 à droite. Et identifié radar. 03 à gauche, pardon. Dernier appel répété. T-Ball Flight arrêté au point d'Alpha 03 à gauche. C'est bien pris. T-Bolt autorisé alignement, puis décollage 03 Lima. Vous rappellerez dès que kilo. Autorisé décollage 03 Lima, rappel kilo. Shiva Flight, Neis. Shiva. Vous pouvez procéder vers le seuil de piste de la 03 gauche et vous serez autorisé à traverser la 03 gauche pour vous aligner sur la 03 Romeo. C'est bien pris, en route pour la 03 Romeo. Et d'Elbow Flight, Kilo, on passe sur la tactical. Elbow Flight, bon vol. Merci, à tout à l'heure. Et de Elbow Flight, entrée sous fréquence, bonjour. Elbow Flight, Overlord, bonjour, identifié radar. Elbow Flight, bien pris, un groupe de 2F15 en partance de Nellis en direction de Mormon Mesa, puis de la Gate 6. Nellis, seul T-Ball Flight, Kilo. C'est bien pris. Tactical. Autorisé, passé tactical, bon vol. Merci à vous. Donc Elbow Flight confirmé Gate 6. Elbow Flight confirme Gate 6. Shiva Flight, Neis. Shiva. Autorisé décollage piste 03 Romeo, vent calme, vous rappellerez dès que kilo. C'est même plus autorisé décollage. Shiva Flight, on est kilo. Shiva Flight, vous pouvez passer fréquence tactique. Bonne chasse. Et ensuite, je
Tactical, merci. Shiva Flight, check radio. Tout. Et Shiva Flight, on station. Enfin, sur, pardon, sur fréquence. Shiva, identifié radar, bonjour. Et bonjour, Garland. Booster Flight, Overlord. Overlord, Booster Flight. Je vois 1 minute Gate 4, confirmé. Gate 6. Affirmatif. Ok, c'est bien pris, autorisé à rentrer dans le NTTR. Copie, donc je confirme ce que j'ai mis sur le Discord. Un appareil dans une attente sud, un autre attente centrale et le dernier attente nord. C'est bien pris. Du coup, pour les calls, je m'adresse à vous et vous transférez ensuite à vos coéquipiers, à vos ailiers. Ah, négatif. Je pense que ce sera plus simple d'appeler chaque appareil individuellement. Et c'est bien pris. Et Rooster, pour confirmation, le pilote Goulou, Rooster, son numéro sera 2. Affirmatif, Goulou, Rooster 2, Big Jim, Rooster 3. Ok, c'est noté, corrigé. Faudra que je t'envoie mon briefing la prochaine fois. Ouais, non, c'est juste qu'il apparaissait 5, donc bon, j'imaginais bien que c'était 2, mais quand même... On passe à G6, on va dans nos attentes individuelles. Rooster, c'est bien pris pour l'instant, picture clean. Rooster. Edelbo Flight, Vertical Morwen Mesa, on part sur la Gatis. Elbo, c'est bien pris.
Est-ce que vous avez en visuel le trafic dans vos 9 heures, un petit peu plus bas, type F18? 3 télé. 3 Hornets qui sont à niveau 250. Affirmatif visuel. T-Bot Flight, Overlord. T-Bot Flight, go. Confirmé, vous avez en visuel 2 F-15 dans vos 3 heures un peu plus haut, niveau 350. Ah, visuel T-Bot Flight. Et Overlord, pour Shiva Flight, on arrive verticalement dans mes ordres. Shiva, c'est bien pris. Elbow Flight à Overlord. Elbow Go. Est-ce que c'est normal qu'on voit déjà du monde qui commence à brouiller? Je sais pas si vous avez ça aussi. Négat, pour l'instant, je ne vois rien d'aberrant sur le secteur. De Elbow Flight, bien pris. Vous avez une estimation du relevé? Elbow standby. Elbow flight overlord, on n'a pas de distance, mais on a un cap 320 environ. Elbow, c'est bien pris. Rooster, est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous utilisez vos brouilleurs? Rooster Flight, affirmatif, Music On. C'est bien pris, Elbow, donc Rooster. Donc Elbow, nous avons effectivement du brouillage avec les F-14 qui sont déjà on station. Elbow Flight, bien pris, on peut rentrer du coup? Affirme, vous pouvez rentrer dans le polygone. Elbow Flight, bien pris, on passe Vertical Gate 6, on en a la warzone. Et T-Bot Flight, vous arrivez Gate 6, vous pouvez rentrer dans le polygone. Et T-Bot Flight, Fencing, Gate 6, Flight Level 280. Rooster Flight, Overlord. Rooster Flight de Overlord. Overlord, Rooster. Prêt à copier la picture? Ready. Nous avons un groupe Force 3 Bullseye 275 pour 55. Flanking vers le nord, évoluant à 21 000 pieds. No factor. Rooster Flight, copie. Et Dolbo Flight, Music On. Overlord, Rooster Flight, Judy, deux groupes, le plus proche dans notre 240, estimé 70 nautiques.
Affirme, il est en train de rentrer dans le polygone, bullseye 240 pour 34, évoluant à environ 9000 pieds. Pour l'instant, no factor, flanking vers le nord. Et troisième groupe, troisième pop-up au bullseye 260 pour 55, idem, flanking évoluant vers le nord, no factor. Rooster. Et de Shiva, on passe la gate. Et Shiva, c'est bien pris, autorisé à rentrer dans le polygone. Du coup, a priori, on est fightizen, hein. Affirme donc Blue on Station, j'annonce Fight Zone. Et au rouge de Awax bleu, Fight Zone. Rouge, est-ce que vous avez bien copié ? Est-ce qu'il y a des rouges sur la fréquence garde ? Mage ? Oui, j'écoute. Les bleus sont en place ? Affirme, Fight Season. Mais j'attends okay, le collationnement. Tu peux transmettre à tout le monde tous les rouges, j'ai l'impression que ça ne collationne pas. Ouais, ça marche, ok. Voilà, tout à l'heure. Et confirmation, Fight Zone. Rooster 3, Overlord, pousse un petit peu plus vers le nord, vous êtes en train de sortir du polygone. Et pour T-Bolt 1-2, idem, trop au sud, remontez vers le nord, vous êtes en train de sortir du polygone. De Elbow Flight, Coma au bleu, on scanne vers le bas. Hein. Et Spike, Mirage 2000. À tous, dans 10 secondes, New Picture. New Picture, groupe sud, force 2, bullseye, 260 pour 30. C'est le groupe le plus proche, flanking vers le nord, évoluant à 8000 pieds. Groupe 2, le plus au nord, force 6 ou force 7, au bullseye 290 pour 50. Passant haute. Évoluant entre 20 000 pieds et 29 000 pieds. Et troisième groupe au sud-ouest, force 1, 33 000 pieds, flanking, évoluant vers le nord, no factor.
Et à tous. Pour de Overlord, pour l'instant, le groupe le plus dangereux est le groupe au nord, constitué de 4, 5, voire 6 appareils. Ils sont en train de s'éclater et semblent cibler l'objectif nord. Elbo est le flight le plus proche. Donc les hostiles sont au relèvement 260 pour 50, évoluant à entre 22 000 et 31 000 pieds. Delbo Flight, on les a, ils sont à... On a visuel sur eux. Alors, c'est bien pris. Pour l'instant, ils sont toujours dans leur territoire. Là, vous approchez, vous êtes à environ 20-25 nautiques de la FLOT. Et à Shiva d'Overlord, vous êtes en train de sortir du polygone trop au nord. Ah, de Shiva, c'est bien pris. Vous pouvez prendre un cap 250 par exemple par la gauche. Et 250 par la gauche. Elbow Flight, autorisé à engager les 4 hostiles dans le secteur avant 35 nautiques. Ils se sont à 31 000 pieds. Elbow Flight, bien pris, on engage. Je prends ceux de gauche, je prends ceux de droite, les premiers. Rooster 1, vous allez prendre par la gauche cap 290 pour prêter main forte à Elbow Flight. Gauche 290, Rooster Unité. Rooster 2, vous maintenez. Est-ce que vous confirmez, vous avez déjà dit sur 4 hostiles, voire 5 hostiles, secteur avant? Ouais, je confirme, ils sont à 50, 60 nautiques. Affirmative, vous êtes en support de Elbow Flight. Bien pris, je maintiens mon cap. Shiva, poussez un peu plus cap 220. Vous êtes toujours au nord, sortie du polygone. Ah, de Shiva, c'est bien pris le 220. Rooster 3, bras 280 pour 55, 34 000 pieds hautes. Rooster 3. Delbo Fly, tu touches éjection. Elbo leader, éjection. Affirmatif, Elbo leader. Rooster 3, Fox 3. Elbo 1-2, je suis en défensif, ils arrivent. Ok, c'est bien pris. Rooster 1, Rooster 2, autorisé à engager. Hostile, bras 260 pour 35, 31 000, flanking nord. Rooster 2, Fox 3 et Refresh 3. Rooster 3, Fox 3. Pégane. T-Bolt, confirmé, déjà dit sur les hostiles. T-Bolt, déjà dit, notamment sur Stargate 34 000 pieds, Bullseye 343 pour 31 nautiques, 32 nautiques. Autorisé à engager ses objectifs. Déclaré hostile. Shiva, vous êtes dans le polygone, vous pouvez prendre un cap par la droite 260. 260, c'est bien. Négatif, j'ai engagé, j'ai engagé. Et Overlord, T-Bolt 1-3, j'ai un contact 334 pour 27 nautiques, j'ai pas de retour IFF. Autorisé à engager, déclaré hostile. Autorisé à engager, Fox 3 sur Bullseye 336, 27 nautiques. Elbow 1-2, missile defeated, je reviens en haute. Elbow 1-2, bras 265 pour 45, 30 000 pieds. Force 2. C'est copié. N'oubliez pas. Rooster 2, je pump. Rooster 3, vous pouvez pusher.
Victor One, Fox 3. Warlord, Shiva 1, 2, bug it up. Shiva, bras 260 pour 35. 15 000 pieds, entre 15 000 et 17 000 pieds. En évolution circulaire. Tu vois toi un truc défensif, Bulls 24 pour 32. Booster 2, vous pouvez pusher. Booster 2, je reconnais. Idem pour Roster 3. Roster leader, défenseur. T-Bolt. T-Bolt 1-2, bras 265 pour 40, 33 000 pieds, hot. 265 pour 40, bien pris. Rooster 1-2, bras 265 pour 40, 30 000 pieds, hot. T-Bolt 1-2 tire sur 319 pour 30 nautiques. Rooster de Fox 3. Elbow Flight, bras 250 pour 35, 31 000 hot. Booster 3, Fox 3. Tu vois toi, Fox 3, 344 pour 40. Bolt 1-2, cold. Rooster 3, Overlord. Rooster 3. Bras 290 pour 25, 34 000, hot. Rooster 3. Elbow 2, défensif. Rooster 2, vous pouvez pusher plein ouest, 270. Booster 1, recommitting. T-Bolt 1-4, hostile dans vos 12 heures, évoluant à 35 000 pieds. T-Bolt 4, je éjecte. Booster 3, touché, éjecte, éjecte. Booster leader. Booster leader, committing, contact midi. 30 nautiques. Nouvel objectif rooster, bras 295 pour 35, 32 000 pieds, hot. Copie. T-Bolt 1-2, push, plein ouest, 270. T-Bolt, recommit. Shiva, vous êtes en train de sortir par le nord du polygone. Bon, là, Shiva, recommit. 2, on s'en met en défensif. Shiva, bras 220 pour 20 nautiques, environ 25 000 pieds. T-Bolt 1-3, bras 270 pour 30, 34 000 pieds, hot. T-Bolt 2, bras 260 pour 35, 6000 pieds, hot. 260 pour 35, bien pris. T-Bolt 3 est défensif au Bulls 30-33. Shiva, 3 appareils plein ouest à environ 20 nautiques de votre position, entre 10 000 et 21 000 pieds.
négatif. Tibolt 3, bras 270 pour 35, 7000 pieds, haute. 5 pieds. Rooster, push plein ouest. Rooster leader. Rooster leader, 270. Tibolt 1 de tir sur le A10 basse altitude. Rooster bras 280 pour 35, 21 000 cold. Copie. Rooster, nouvel objectif, rooster leader, nouvel objectif, bras 240 pour 18, 7000 pieds, haute. Tibolt 2, vous pouvez pusher plein ouest. Tibolt 3, Fox 3 sur le target 354 pour 47. Et défensif. Elbow, bras 270 pour 19, 11 000 pieds, flanking gauche. Copie, je suis en défensif. Rooster leader, Fox 3. T-Bolt 2, cap 285, nombreux hostiles évoluant on the deck. Shiva, bras 260 pour 15, 20 000 pieds, devrait y avoir deux appareils. Splash One. Rooster, beau travail. On a encore un rouge qui est haute sur votre position. Bras 275 pour 13. 23 000 pieds. Affirmé. Affirmé, il nous a tiré dessus. On est défensif. Ok, Shiva, vous avez en visuel au cap 215 pour 13 nautiques, 24 000 pieds. Elle voit deux défensifs. Shiva, Igor, vous êtes à 7 nautiques d'un hostile au relèvement 215-220. Rooster leader, vous pouvez pusher au cap 275. Overlord, rooster leader. T-Bolt 2, vous pouvez pusher cap 280. Shiva 1 2, Mirage Fox 2, Mirage 2000. Shiva 1 2, Splash. Booster leader, il faudrait pusher au 280. Shiva 1 2, Bogidop. C'est Igor. Marco. Ok, donc cap 260. On the deck, entre allez, on va dire 8 nautiques et 10 nautiques. Alors. Overlord, Rooster One. Rooster One. Rooster One est 0,2 de plus. Ça devrait être suffisant pour prendre un cap 300 et rejoindre nos petits amis. Cap 300. Shiva, Igor. Hostile au relèvement 250. Il est quasiment au merge. Il est en train de remonter. Il était à 7000 pieds. Elbow 1-2, Splash Middle 2000. Shiva Igor, relèvement 287 nautiques. Il joue avec le relief. T-Bolt 2. T-Bolt 2, cap 255.
J'y vais, Marco. Hostile dans vos 7 heures, évoluant à 7000 pieds. Et Fox 2 de Igor. T-Bolt 2, push, cap 260. Ok, j'ai splash. Elbor 2, je suis derrière sur les 33. Attention, j'ai un 16 qui se rapproche de nous. T-Bolt 2, relève bras 260 pour 35, 6000 pieds haute. Elbor 2, merge F16. Shiva Igor, cap 340, Buster. Elbor 2, touché, en fumée, le 16 est à côté de moi. Et T-Bolt 23 et Winchester, j'ai vu plus que les deux le fixes. T-Bolt, encore 3 appareils au merge. 3 hostiles. Et vous êtes avec un seul friendly. Shiva 1-2, splash F16. Elbow 1-2, toujours en feu, sur la vue, il y a un appareil à côté. Oster Leader, Judy sur hostile, cap 315, 35 nautiques. Non, Timber uniquement. Oster Passé Gate, cap 315, 30 nautiques, 8000 pieds. Copie. Shiva Igor, cap 340. Shiva 1 de Fox 1. Rooster 1 de bras 335 pour 25 000 pieds haute. Shiva 1 de splash 1 buggy dop. Go splash. Shiva bras Shiva Marco. Bras 155 pour 6, 25 000 pieds, cold. Shiva Marco, maintenant il est au relèvement 175, 25 000 pieds. Elbow 1-2, j'ai besoin d'un cap, je suis en feu, mais je peux toujours me battre. Elbow, je vous ai perdu. À côté de Marco. Cap 200, alors dans ce cas, environ 7 nautiques, 25 000 pieds. Shiva 1 de Fox 1. Rooster Leader, cap 240, 20 nautiques. On the deck. 240, 20 nautiques. T-Bolt, push, cap 250. Rooster Leader, bras 245 pour 16, hot, on the deck. 245. T-Bolt 2, par la gauche, cap 250. Descendez 6000 pieds, enfin, on the deck. Shiva défensif. Shiva Marco, prêt pour push. Vas-y. Bras 285 pour 15, on the deck, hot. 285 pour 15, on the deck, hot, et je suis très très low fuel, ça va pas voler longtemps. T'es tout seul sur secteur, tu vas avoir deux bandits. Il est possible qu'il y ait Elbow, mais je le vois pas. Elbow, toujours sur la fréquence. Elbow de toujours, j'ai un visuel. Elbow, il devrait y avoir deux hostiles et un friendly type Sukhoi 33. T-Bolt 2, cap 240, derrière un friendly type F-14. L'hostile évolue à 5000 pieds.
Elbar 2, eject, eject. Je suis bon, c'est mort. C'est bien pris pour l'éject. On envoie le César. Shiva, Marco, Tali. Shiva, hostile au 210, 11 000 pieds. Ok. Tibolt 2, cap 250, 5 000 pieds. Ressort leader, touché. Tibolt 2, sur la fréquence. Tibolt 2, sur la fréquence. Tibolt 2, au relèvement 270, 6 nautiques. Je me suis trompé de fréquence, j'ai plus de Fox 2, j'ai plus de Fox 3, je suis Winchester. Ok, Winchester, c'est bien pris, donc ça va être un cap plein Est 090. En passant gate. J'ai encore le canon. Ah, s'il y a du canon, dans ce cas, on peut essayer le cap 295 pour 8 nautiques. Je me retire Fuel State 2.4. Tibolt, dans ce cas, on passe plein Est 090 et abandon. Une cible d'opportunité. Autorisé à engager dès que possible. Il y avait un friendly sur le secteur, donc ok, c'est un hostile. Autorisé à l'engager. De Overlord, qui reste sur la fréquence. Bolt 1-2, j'ai Fox, j'ai tiré un à 10. Et c'est du beau travail, il y a un hostile au relèvement 265 à 10 nautiques qui est haute sur ta position, 7000 pieds. Il est pas encore par terre, hein. Ah si, c'est bon, il tombe. Ok, c'est bien joué T-Bolt, mais il faudrait passer commit au cap 270. T-Bolt 1.7 state. Tu es le dernier et il reste quasiment plus de rouge. Ok, bon bah. C'est pour l'honneur. 0, t'as dit. Alors, cap 265, 9 nautiques. Il est à 7000 pieds haute. Il joue avec le relief, il est maintenant à 7 nautiques, 260. Relèvement 260. Je vais essayer de passer sur le côté. Je vais dans le LED. Ah, tu as maintenant deux hostiles qui sont au relèvement 315 à 20 nautiques. Ils sont hautes sur ta position, entre 6000 et 18000 pieds. Tu es au merge maintenant avec le plus proche au relèvement 210, 8000 pieds. Je le vois. T-Bolt, largue le bidon si possible. Bidon déjà largué. C'est 1 à 10. Ok. Bah, engage le deck possible. Les autres hostiles sont à 15 nautiques. Je suis blind. Dans tes 6 heures maintenant. Relèvement 170. Touché ? Non, je le vois pas. Relèvement 130. Au merge à 7000 pieds. Allez, dans mes 6. Ouais, je t'ai perdu, mais oui. Ouais. Je l'ai perdu aussi. Tu l'as, Tali ? Fox 2. Dans tes 6 heures maintenant, tu as un hostile à 7 nautiques.
Bon. Au raid de Overlord, fight is off. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur la fréquence garde ? Ouais, vas-y, tu peux faire. Ok, donc là je vous vois la 251. Fight is off, terminé pour les bleus. Ouais, le Shiva Flight c'est bien pris. Oui, Mage, c'est Chris, on a copié le Fight is off. Ok, c'est bien pris, merci. Je suis enrhumé. Nélis, toi, pour Shiva Flight. Shiva Flight, Nélis. Et Nélis, Shiva Flight, patrouille de 2 Sukhoi 30, retour par Acton. Et T-Bot Flight, de retour sur la fréquence. Eh, c'est bien pris, Shiva. Je vois Shiva 2, je vois pas Shiva 1. Il est avec vous ? Et Dolbo Flight, dans ouais, fermé, il est à côté. Ok. C'est bien pris. Vous rappellerez lorsque vous aurez les installations, on va dire 20 nautiques des installations. C'est bien pris. En kilomètres, on va s'arranger. Vous pourrez rappeler, allez, on va partir sur 40 kilomètres. Bon, merci beaucoup, Nélis. Et à tous de Overlord, vous pouvez basculer sur la fréquence de Neis approche 327 décimal 10. On sert. Edelbo Flight bien pris, on switch. Et T-Bot Flight bien pris, on switch. Bonsoir, vous êtes sur la mauvaise fréquence, basculez sur 327 décimal 10.
Denis, rebonsoir, Rooster Unité. Rooster Unité, bonsoir, identifié radar. Rooster Unité, on a respawné, a priori on n'a plus nos ailiers, donc on rentre. Ok, vous confirmez un seul appareil ? À ma connaissance, oui. C'est bien pris, vous pouvez prendre un cap 175 par la gauche, unité 75. Cap unité 75, Rooster Unité. Et le Shiva Flight, on est à 25 km des installations. Correction. On est à 40 km. Shiva Flight, c'est bien pris. Est-ce que vous voulez réduire pour laisser Leader vous rattraper? Correction. Accélérer pour rejoindre 2. Alors du coup, c'est plutôt l'inverse. Là, c'est un qui parle et c'est 2 qui rejoint. Alors, moi, je vois 2 en avant. Et je vois Leader en arrière. Marco en arrière. Pardon, Igor. En fait, sur la phase tactique, c'était moi qui avais pris le lead tac un peu et Igor, le lead admin. Mais j'arrive, je le rejoins. Y a pas de souci. Shiva, vous rappellerez dès que installation en vue, réduisez vitesse et vous pourrez descendre 2000 pieds. Nous avons un QNH de 1013 hectopascal. Non, peut-être sur les Sukhoi, ça va pas être ça, je pense. Non, ça va pas être fou, même pour le respect d'altitude, on va se la faire un petit peu au feeling. Toujours est-il qu'on arrivera par un break sur la piste de gauche. Arrive au break piste gauche. Break, la piste en service 21 Lima, et vous rappellerez lorsque vous serez l'initial 21 Lima. Ouais, c'est bien pris. Et Volvo Flight à Nellis Tower, de retour sur fréquence, on est actuellement dans le cap 100 du pont Acton à 19 000 pieds en descente, à 3 nautiques. Elbo, c'est bien noté, identifié radar pour les deux appareils. Vous rappellerez lorsque vous serez à une vingtaine de nautiques des installations. On ne le veut pas sur Acton ? On peut directement s'engager ? Affirme. Volvo Flight, bien pris, on s'engage alors. Et le Shiva Flight, on passe au Apex. Ouais, c'est bien pris, Shiva. Et Nellis Tour, T-Bot Flight, retour sur la fréquence, bonsoir. T-Bot Flight, identifié radar, 3 appareils, correct ? Correct, 3 appareils en descente, on passe 24 400 pieds, on s'aligne pour Acton. Oui, je vous vois à peu près une minute d'Acton, nous avons 2 F-15 qui sont en orbite au niveau d'Acton. Vous les avez en visuel, ils doivent être au relèvement de 300. Visuel sur la situation awareness, c'est blind. Ok, ils sont peut-être encore un petit peu loin, ils sont à 6 nautiques, relèvement 310, évoluant au niveau 120. Davis, Rooster Unité. Rooster. Rooster
Sérénité, on passe 14 000 en descente, en route vers Apex, 15 nautiques. Confirmez la piste en service. La piste en service sera la 21 gauche. Et nous avons couleur terrain bleu avec un QNH 2992. Vous rappellerez à l'initiale de la 21 gauche. Bien pris, 21 gauche, 2992, roster unité. Et Shiva Flight, vous rappellerez vent arrière, train sorti verrouillé. Ah, c'est bien pris, Shiva. Et l'histoire de Ghost of Light. Ghost of Light. Il est ouvert Ghost of Light actuellement 30 nautiques ouest du point Strike. Demande autorisation de Recovery Strike. Identifiez votre flight, confirmez deux appareils. Négat 3 Mirage 2000. En cours de regroupement, pardon. D'accord, bon, j'ai du mal à voir le troisième. Je pense qu'il doit être. Vous êtes à environ maximum 3 nautiques les uns des autres, correct? Affirme pour Ghost Flight. Vous pouvez rejoindre Strike et vous rappellerez Vertical Strike. Ghost Flight. Bellbo Flight, on a commencé, on est à 20 nautiques d'Apex. C'est bien pris, Elbo. Et le Shiva Flight en vente arrière, train sorti verrouillé. Et Elbo, vous êtes numéro 1, autorisé à atterrir piste 21 gauche. Vous rappellerez vitesse contrôlée. De Elbow Flight bien pris, je sais pas si les gars Strike arriveront avant nous. Elbow, vous poursuivez direction Apex. De Elbow Flight bien pris. Rooster, confirmez, piste en vue. Et Rooster, piste en vue. Nous avons deux Sukhoi 33 qui sont en approche finale. Vous les avez en visuel? Standby. Ils sont à peu près un tout petit peu plus bas que vous, donc montez un chouette pour les éviter. Rooster unité. Et visuel. C'est bien pris, Rooster, donc gardez-les bien en visuel et vous rappellerez vent arrière, train sorti verrouillé. Rappel vent arrière, on a visuel, pas de problème. Nélis, tour Tibol Flight, on passe Acton et puis on poursuit vers Nélis. 13 000 pieds. Tibol, c'est bien pris, vous rappellerez Apex. Nélis, ouvert les Gusto. Nélis, ouvert les Gusto, vertical strike. Gusto, vertical strike, c'est bien pris. Votre prochain point, ça sera Apex. Affirme, on passe Gaspic et Apex. Et le Shiva Flight, piste dégagée. Shiva, c'est bien pris. Vous pouvez rejoindre le parking autorisé à traverser la 03 Lima. Vous rejoignez le parking et vous couperez sans rappeler. C'est bien pris. Délice au serre unité, dernier virage. Rooster, confirmé, train sorti verrouillé. Rooster unité, je confirme, trois vertes. Numéro 1, autorisé à atterrir piste 21 gauche. Vous rappellerez dès que vitesse contrôlée. Autorisé 21 gauche, roster unité. Elbo, Neis, confirmé, vous avez piste en vue? Affirmatif, vertical apex, on s'aligne sur la piste. Procédure arrivée au break, 5 secondes d'écart. 2 F15J.
C'est bien pris, procédure au break. Vous avez en visuel le F-14 en approche finale ? Affirmatif. C'est bien pris, Elbo. Vous rappellerez vente arrière, train sorti verrouillé. Delbo, bien pris. Et on rappelle vente arrière, train sorti verrouillé. Gusto Flight, Nélis. Gusto Flight, go. Réduisez vitesse, un flight va être devant vous, ça sera des F-18, 3 F-18 a priori. Donc réduisez vitesse pour les laisser passer devant, actuellement ils sont au relèvement 0,55, 25 nautiques. C'est bien prévu, Gusto Flight en réduit vitesse. T-Bolt Flight, Neis. T-Bolt Flight, go. Vous pouvez accélérer un petit peu, vous allez passer devant une patrouille de raid type Mirage 2000. Vous êtes à environ 14 nautiques d'Apex. Visuel, c'est bien noté pour T-Bolt, on accélère un peu. Et pour Gusto, Gusto, entamez orbite main gauche, je pense que sinon vous risquez d'être en conflictuel avec T-Bolt. Delbo Flight en vente arrière, train sorti verrouillé. C'est bien pris pour Gusto, on a vraiment un playtime très limité par contre. Hein. Ah, c'est bien pris dans ce cas, un instant. Elbo, vous êtes autorisé à atterrir 21 gauche, confirmé train sorti verrouillé. Delbo, train sorti verrouillé. Ok, vous êtes numéro 1 pour atterrir piste 21 gauche. Elbo, bien pris. Nélis, rooster unité, piste dégagée. Rooster, prenez par la droite, vous autorisez traverser 03, la piste 03 gauche. Vous rappellerez, vous rejoignez le parking et couperez sans rappeler. Rooster One traverse la 03 droite et rappelle sans couper. Coupe sans rappeler. Break. Gusto, vous maintenez, vous poursuivez vers Apex. T-Bolt, vous entamez orbite main gauche. T-Bolt, orbite main gauche. Ok, orbite main gauche, les gars. T-Bolt, il vous reste combien en playtime ? On est large. Ok, c'est bien pris. Donc T-Bolt, vous entamez orbite main gauche, vous faites un 360 et vous reprendrez Apex. On fait un 360, on reprendra et on signalera Apex. Gusto, confirmé, vous avez les installations en vue dans vos 3 heures ? Affirme et on est vertical Apex, on tourne droite pour s'aligner sur la 03 Lima. C'est bien pris, donc nous avons... Non, correction, ça sera la 21 gauche, 21 Lima. Affi, 21 Lima. Edelbo 1-1, vitesse maîtrisée. Elbo, vous prendrez la prochaine à droite. Autorisé de traverser la 03 Lima, vous rappellerez dès que piste dégagée. Elbo, bien pris, on rappelle une fois la piste dégagée. Et on traverse la 03 Lima. Nélis, Bulldog Flight. Bulldog Flight, Nélis, bonjour. Bonjour, si F-16 en approche du point strike. Identifié radar, vous êtes une patrouille de étalée sur 8 nautiques, correct ? Correct. Ok, c'est bien pris. Donc, identifié radar, vous pouvez poursuivre l'approche sur Neis. C'est suivi pour Bulldog. Flight, piste clear, on traverse la 03 Lima. C'est bien pris, vous pourrez rejoindre le parking coupé sans rappeler Elbo. Et les Gusto Flight, on se présente au break 21 Lima. Gusto, c'est bien pris, vous rappellerez vente arrière, train sorti verrouillé. Gusto Flight. Bulldog, indiquez playtime.
Standby. Hey Bulldog, playtime, 1 heure. Ok, c'est bien pris, 1 heure pour Bulldog. Hey Colt Flight, sur fréquence. Colt Flight, vous êtes avec Neis, approche. Neis de Colt, bonjour, formation de 3-10 pour une demande une autorisation d'atterrissage. Et Ghost of Flight en base, train sorti verrouillé. Ghost of Flight autorisé à atterrir 21 gauche, vous rappellerez dès que vitesse contrôlée. Colt Flight confirmé, vous êtes à environ une quinzaine de nautiques de strike. Ouais, négatif, on est actuellement à 14 nautiques de vos installations, on prend un cap 080 pour faire le retour strike recovery. Denis, tour Tybalt Flight, on est Apex. Tybalt, c'est bien pris. Vous avez en visuel les appareils, 3 appareils en approche finale. Négatif, on est un peu loin. Ah si, visuel. C'est bien pris, Tybalt. Vous rappellerez en vent arrière, train sorti verrouillé. On rappelle, train vent arrière, train sorti verrouillé. Et Bulldog Flight, on passe Gaspic. Dog Flight, c'est bien pris. Pour Colt, est-ce qu'il vous serait possible de faire un Skok Ident? Colt, répétez. Colt, j'ai du mal à vous distinguer de tous les rouges. Essayez de faire un Skok Ident si vous avez la possibilité, ou de faire un transpondeur unité 000. Je passe sur unité 000. Néis, rebonjour, les parties. Unité 000 pour les Colt. Ouais, Colt, j'ai vraiment des difficultés à vous trouver, ça va être difficile. Ok, donc. De Colt, je passe en emergency au niveau de mon code transpondeur. Actuellement au niveau de vol 8. Pour un cap 080 à 8 nautiques de vos installations. Et je vois toujours pas d'emergency. Ok, bien reçu. Quelles sont vos conditions? Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre par la gauche, prendre un cap plein nord. Je vais essayer de vous distinguer de Bulldog. Ouais, c'est bien reçu. On prend un cap plein nord maintenant. Et Nélis, les parties, rebonjour. Parti, bonjour. 2F18, en retour strike recovery, et on rentre dans un hold par la gauche à 13 000 pieds au niveau 130. Nélis, Bull of Fight. Ouais, c'est noté, parti, pour l'instant, maintenez votre holding. Bulldog, go. On va arriver sur le point Apex à 10 en visuel là au-dessus de nous, 1000 pieds au-dessus. Ok, c'est bien pris, je commence à vous distinguer Bulldog et Colt. Donc Bulldog, vous poursuivez Apex, la piste en service 21 gauche. Vous rappellerez dès que vous serez initial 21 gauche. Et c'est suivi pour Bulldog. Et pour les Gusto, la piste 21 Lima dégagée, demande autorisation de passer sur la Alpha 1303 Lima. Et vous pouvez traverser la 03 Lima, rejoindre parking, couper sans rappeler. Bonne fin de journée. Ghost of Flight est bien pris, merci à vous. Et Tybalt, train sorti verrouillé en arrière. Tybalt, numéro 1, autorisé à atterrir piste 21 Lima. Vous rappellerez dès que vitesse contrôlée. Et Tybalt. Pour les Colt, vous pouvez reprendre Apex. Bien reçu des Colt, on repart pour Apex et on demande une autorisation d'atterrir en piste 21 Romeo. Pour les Colts, ça sera 21 Roméo.
Et c'est même pris, on reprend flex, on reprend apex, on reprend notre point de vol, pardon. Le flex sur apex. Merci beaucoup. T-Ball 4, dernier virage, train sorti verrouillé. Bulldog flight, Nice. Bulldog go. Vous devriez avoir des F-18 en visuel bientôt, ils sont en approche finale. Affirmatif, je les ai en visuel. Et c'est bien pris, donc pour Bulldog, vous rappellerez, vent arrière, train sorti verrouillé. Ah, c'est suivi. C'est parti, on a fini le premier hold, on continue. Pour les parties, réduisez vitesse et poursuivez l'approche sur Neis. Allez, on réduit 250 nœuds et on poursuit les parties. Et pour Colt, vous pouvez donc rejoindre Apex. Indiquez votre vitesse. Actuellement 260. Simultan de vitesse donc contrôlée. Colt, si vous pouvez pousser un tout petit peu votre vitesse. Le 180 par exemple. C'est bien reçu, 280. Et T-Bot Flight, vous libérerez la piste par la droite, vous rappellerez dès que le flight aura libéré, dégagé la piste. Et vitesse contrôlée, on rappellera une fois 21 gauche dégagé. Bulldog, vent arrière, train sorti à verrouille. Bulldog, vous êtes numéro 1, autorisé à atterrir piste 21 gauche. Pour T-Bolt, le 1-4 arrive en bout de piste. On peut considérer piste dégagée. T-Bolt, autorisé traverser 03 Lima, rejoignez le parking et coupez sans rappeler. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi, on traverse et on coupe sans rappeler. Analyst Tower de Colt, on est actuellement vertical du point Apex, on demande une autorisation pour la 21 Romeo. Colt 21 Romeo approuvé, est-ce que vous avez en visuel tout un flight qui est en approche finale hein? C'est du F-16. Ah, c'est pour ça, ça m'éblouit. Affirmatif, je les ai en visuel. C'est bien pris, vous rappellerez. Vous faites une direct ou procédure au break? Non, une direct négatif. Direct, donc réduisez vitesse, vous risquez de les rattraper. Réduisez bien votre vitesse dans ce cas. Bien reçu, dans ces cas-là, on reste quand même sur la 21 Romeo, on est aligné et on sort les éléments. Et pour Colt, autorisé à atterrir 21 droite, 21 Romeo. Les 21 Romeo, c'est confirmé. Train sorti verrouillé pour Colt. Partie, vous pouvez pousser votre vitesse à votre convenance, rejointe sur Apex. Si on poursuit sur Apex, si on accélère. Et bout de flight, on est sur le point d'entrée Alpha 03 Lima en attente pour traverser la piste. Et pour Bulldog, vous rappellerez dès que tout le flight aura dégagé la piste 21 gauche, vous maintenez, ne traversez pas la piste pour l'instant. Oui, pour Bulldog. Bulldog Nice. Bulldog. Donc on va avoir 3 à 10 qui vont atterrir sur la piste parallèle à la vôtre.
On va les laisser atterrir, ils passeront devant vous pour rejoindre le parking. Ouais, ça suit. Elle est partie, on passe à Pex. Partie, c'est bien pris, vous confirmez procédure au break ? Affirme au break et la 0, la 21 gauche. 21 gauche, je vous rappellerai à l'initiale de la 21 gauche. Parti. Bulldog Flight, Nice. Bulldog. Confirmez, vous avez en visuel les 3 à 10 qui sont en train d'arriver. 3. Affirmatif. Ok, c'est bien pris. Donc, dès qu'ils auront dégagé la piste, vous pourrez les suivre. C'est suivi pour Bulldog. Allez, Stellar 1 de Colt Flight, vitesse contrôle. Colt, vous prendrez la prochaine intersection à droite. Vous rappellerez dès que piste dégagée. Ouais, c'est bien pris. Elle est partie à l'initiale. Partie, c'est bien pris. Vous rappellerez vent arrière, train sorti verrouillé. On rappellera vent arrière, sortie verrouillée. C'est parti. Nélis, Bulldog Flight, on traverse la 03 Lima. Nélis, vous pouvez suivre le troisième et dernier A10 pour rejoindre parking. Vous couperez sans rappeler. Nélis, Stellar de Colt Flight, la piste est dégagée. Colt Flight, vous pourrez rejoindre parking, couper sans rappeler. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Parti en vente arrière, train sorti verrouillé. Parti, c'est bien pris. Vous êtes numéro 1, autorisé à atterrir 21 gauche, 21 Lima. Vous rappellerez dès que vitesse contrôlée. Autorisé à atterrissage 21 gauche, on rappelle piste dégagée des parties. Parti 1-2, dernier virage, train sorti verrouillé. Parti 1-2, numéro 2, derrière partie 1-1, autorisé à atterrir piste 21 gauche.
Partie 1-1, confirmé, vitesse contrôlée. Vitesse contrôlée, départie, on dégage la 21 gauche. Voilà, partie leader, prenez par la droite, vous rappellerez dès que le flight aura libéré, dégagé la piste. Partie 1-2, vitesse contrôlée. Partie 1-2, poursuivez, en bout de piste, vous prendrez par la droite pour rejoindre sur leader. Partie 1-1, attention, vous n'avez pas la clearance pour traverser la 03 Lima. Ah. Et bim! Bien joué, bien joué. Non. Écoute, leader poursuit sur parking, il n'y a pas de souci. Tu coupes sans rappeler, je vais voir avec numéro 2. Merci beaucoup, désolé. Deux, confirmé. Donc par la droite, vous rappellerez dès que piste dégagée. Ah, c'est bien pris pour partir un tout. Partie 1-2, piste 21 gauche dégagée. Partie 1-2, vous pouvez rejoindre le parking autorisé traverser piste 03 Lima. Vous rejoignez le parking et vous couperez sans rappeler. Bonne fin de journée. Je rejoins le parking, équipe sans rappeler, merci. Et hop. Qu'est-ce que c'est que je me suis dit?